femme est partie en voyage de noces un 13 janvier. À cause du prix du voyage de noces, j'ai pas pu y aller. Heureusement pour moi, avant de s'en aller, elle m'a trouvé de quoi me désennuyer. Y a le train à faire, le bois à couper, la neige à pelleter. Et puis un matin, j'ai eu un petit mot de sa belle écriture. Dans un magasin, j'ai vu un manteau, voici la facture. À l'hôtel hier, sais-tu, j'ai connu un vrai milliardaire qui vend des voitures. De seconde main, toi comment vas-tu? Pour moi, ça va bien. Et s'ennuie de l'hiver, d'après ce qu'elle écrit à tous ses parents. Paraît que les hivers en Californie, c'est pas en même temps. Ce qu'elle va en avoir, des choses à me conter, ça forme le savoir que de voyager. On ne sait jamais, je vais tout de même laisser le feu allumé. Tout est prêt pour elle, la chambre d'en haut et le potager. Les fleurs sont très belles, le blé est bien haut, le poulain est né. Je voudrais bien lui dire que le veau engraisse, mais je peux pas écrire, j'ai pas son adresse. Ma femme est partie en voyage de noces un 13 janvier. Elle était si jolie le matin des noces en robe de mariée.